Que re-coucou et rebonjour et re-salut et re-bonne nuit à tout le monde. C'est Myo-kyun sur sa super partie de Dynasty Warriors 7, toujours chez les Wei. J'ai pas encore fini. La dernière bataille, bah vous verrez ce que c'est, je vous le dis pas. Ha ha ha. Je suis méchant, je suis sadique, j'aime. Donc vous le verrez bah encore dans quelques batailles, hein. Il y en a encore pas mal à faire. Donc on va reprendre et aujourd'hui c'est avec Xushu ou Obélix, si vous préférez. Il a un peu la même corpulence. Oui, il est pas tombé dans la potion de dans la marmite de potion magique quand il était petit, mais c'est presque pareil parce qu'il est bien baraque et il fait bien mal. Il utilise une masse d'armes à pointe. Donc j'ai peut-être mieux, mais je pense pas. Ah bah si, c'est la meilleure. Je vais commencer avec une masse d'armes hexagonales pour augmenter pour avoir mon augmentation de santé max. Comme ça, voilà. Vu que j'ai rien. Je vais m'équiper tout de suite des sauts. Voilà. On va faire ça. On va tout de suite lui prendre le talent pour augmenter les points de compétence. Ouh. Augmente santé plus. Allez. Comme j'ai pas beaucoup de vie, hein, pas beaucoup d'attaque pour l'instant, je vais faire ça. Voilà. Et donc, c'est une bataille un peu bidon, hein, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus trop. Province Xu. Ah non, bah c'est pas trop une bataille bidon, mais donc le chef c'est Kao Kao, c'est lui qui va me donner la bataille. Alors Xusu c'est le nouveau garde du corps, hein. Donc maintenant il se retrouve avec deux gardes du corps. Le camp il n'y a pas grand chose, ils sont toujours nous en train de travailler et c'est bien. Hein. Dès que je me rapproche, hop là, ils arrêtent. C'est bien aussi. Ils sont sages, ils sont bien dressés. Donc j'ai fait le tour et on va aller voir Kao Kao.殿、大変です。炎州が殿人が守ってた炎州が落ちました。何?どっから湧いて出たのか。両夫の野郎が襲ってきて。加工園。はい。お前は一帯を引き炎州方面へ向かえ。承知です。天、巨長。 Et c'est parti! Comme d'habitude, on va foncer dans le tas. Ta 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 ta. Yeah! Et on va prendre le cheval, sans plus vite. Ah, par contre lui il a un gameplay totalement différent que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. C'est un des pires. Il a beau être fort et il a beau faire mal, c'est un gameplay trop lent. Mais on fait avec. Après certains l'aiment, pas moi. Alors là, son attaque X est la même configuration que Shirkuku. Donc Bim. Deux carrés et deux triangles. Il nous fait une belle prise de catch. Ah,
Il est où? Il est où? Ah oui. Voilà, je vais pouvoir changer d'arme. Je vais le faire tout de suite. Comme ça. Voilà. Non, je vais pouvoir récupérer, augmenter santé max plus. C'est peut-être anodin comme ça, mais bon. Ça peut toujours servir. Avec tout ça, je sais même pas ce que je vais faire. Si c'est bon, j'ai vu que j'ai un point. Je dois aller voir un point vert. Bon, on va y aller. On va s'y diriger tranquillement. Il y a même plus, il y a plus personne en plus sur la route. Alors. On continue, on continue. Et comme j'ai déjà buté tous les officiers qui étaient de ce côté de la map, bah j'ai plus rien à faire, donc j'ai vraiment plus qu'à aller au point vert quoi. Je pourrais aller avec le cheval, mais bon, ça va un peu plus vite. Ah non, un peu. Puis je pourrais pas m'amuser là. Yaaah! Et 400 KO. Ou pas. Oh, je vais même pas avoir mis 400 KO là. Il manque un petit soldat. C'est nul. Mais bon, on arrive dans la garnison. Oh non, c'est un piège! Je suis emprisonné! Oh, ils sont deux. Ils sont deux. Non, vous allez arrêter de m'attaquer. Je ne m'accepte pas. Hop, voilà, ils sont fait désigner tous les deux. On met ses vitesses. Oh, Jiang Liao. L'avant-garde de Lubu est arrivé. Je vais quand même faire venir mon cheval. Hein. C'est plus rapide, c'est quand même beaucoup plus, moins chiant. Et là, on fait un beau Lubu. Voilà. Et donc maintenant, je peux récupérer ma... notre arme, celle que j'avais de base prédestinée, donc la masse d'armes à pointe. Voilà. Retournez au vite au camp principal et protéger Cao Cao. Oui, bah j'y vais, j'y vais. Alors là, vous pouvez constater que je me promène dans l'eau avec le cheval. Et j'arrive pour protéger Cao Cao. Oups, il est à côté de moi, j'ai pas fait gaffe. Mais bon, on va se dépêcher d'aller voir Jiang Liao parce que. Il sera capable de me tuer Cao Cao. Yaaah!
champions autres. Yeah. Qu'est-ce que je disais? Attendez. Un petit souci technique. Voilà. J'ai mon casque qui était en train de tomber. Petit souci technique. Ah. Oula! Ah non, c'est bien moi, ça. Je crois que c'était Jeng Lao qui voulait enchaîner sur Mizu. Mais on sait pas, c'était pas le cas. Ah, oh, les renforts de Lugou viennent d'arriver. D'accord. Ah non, 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 non. Toujours se méfier de ce bruit. Croyez-moi, si vous voulez pas mourir, méfiez-vous-en tout le temps. Non, 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 non. Ah, mais je croyais qu'il avait balancé son... Il avait déjà balancé son bidou. Bon, ça va, il m'a pas fait trop mal. C'est le principal. Et donc là, c'est bataille en deux parties. Mais... Ouf. Ouf. Donc voilà. Ça se sauvegarde, comme ça, si jamais je venais à mourir, je recommence ici. Bien sûr, je vais pas mourir, hein. Je suis un Warriors. Warriors jusqu'au bout. Mais... On ne sait jamais. Voilà. Et on repart à l'assaut. Ah, c'est un bon quelqu'un qui serait très bon au baseball, ça c'est sûr. Je suis pas certain que ça existait déjà à leur époque. Hein. Là, il y a un petit rouge. Ah. Là. Non, non, je protège pas. La défense. Oh, viens ici, viens ici. Oh, Diao-chan. Ouh. Je reconnais qu'il va pas être content. Moi. Alors, je reconnais un qui va vraiment pas être content parce qu'il n'aime pas qu'on touche à sa dulcinée. Parce que là, ça ferait vraiment la belle et la bête. Sauf que bon, elle sait bien se battre, hein, la belle. Quand même. Non! Ouf. Ah,
Ah mais le bouc il vient d'arriver là. Ah, je viens de le voir. Et en fait j'ai l'impression qu'il s'en foutait totalement de moi. Ah ouais c'est ça, il s'en foutait totalement de moi. Quand je disais qu'il y en a un qui allait pas être content. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'appuie sur Start 100. Eh bien, il va fuir. C'est bien de voir ça. Bon, ça m'évite de devoir l'exploser parce que ben, je pense que c'est lui qui m'aurait explosé quoi. Alors là, il y a un petit officier vilain pas beau. Ah bah non, en fait, c'est le bouc qui est encore en train de fuir. Ok. Alors on saute. Mais non, je croyais qu'il lui restait plus qu'un coup, allez. Rien ici, toi. Voilà. Moi, je laisse personne en vie, moi. Comme ça, je suis un méchant. Bon, vous allez me dire, oui, j'ai laissé quelqu'un en vie, non. La deuxième partie, mais c'est pas grave. Allez, admettons, ça fait pas la fin du monde. Mais il fuit aussi. Oh, mais c'est des fuyards. Voilà. Bon l'autre c'est pas la peine que j'aille le buter, celui-là est déjà un peu trop loin. Il va sur le fil, on va cheval. Tada tada tada. Tada à cheval, c'est mon bidet. Non, il ne reste plus grand chose à faire. Mais non, mais t'arrêtes pas en chemin, toi. Allez. Hey. A noter qu'il se bat avec la même arme que moi, allez. Mais il ne peut pas, il ne pouvait pas arriver à lui. Oh. Qui roule les boulets. Thank you.
Tu viens de tomber pile sur un museau plus. Un rétablissement museau. Très fort. Ils sont combien en fait? Non, impossible. Deux et trois. Ils étaient bien trois. Sauf que le troisième, c'est pas moi qui ai tué. Alors ça, c'est pas bien. Ça. Des catapultes. Triomphée de l'officier en charge. Stopper les attaques de catapultes. Eh, elles sont là, là. Moi j'ai pas de pitié, moi j'ai pas de quartier hein. Les alliés, les ennemis, c'est tout ça même chose. C'est des vilains, alors je les explose tous. Bah il est où? Bon. Donc si vous avez bien vu, hein, l'armée de Liu Bei est apparue. Donc moi, je vais pas chercher moi. Hein. Je vais aller les affronter. C'est pas que du bien. L'officier, hein, c'est toujours du bien, de petite façon. Si c'est pas moi qui crève, oui, c'est sûr. Techniquement, ça devrait aller. Ouais, ça va même très bien. Ok, il y en a un qui meurt. Il y en a deux en fait. J'ai buté Zhang Fei et Liu Bei. Espérer que Guan Yu ne me fasse pas ma fête quoi. Ah, c'est bon, je l'ai fait ça. Et voilà. Donc ça c'est fait. Trois officiers en plus. À mon tableau de chasse. Donc maintenant vous remarquez qu'il reste plus qu'un officier. Il y en a peut-être deux. Mais... Ah, je dois utiliser une catapulte. Pas tout à fait, pas assez loin. Voilà. Bon, oh, trois coups, elle devrait être out. Ouais, trois coups. Et là, je vais tirer en plein dedans. Ok, j'ai totalement foiré. C'est pas grave. Vous avez vu ces soldats qui protègent le... qui défendent le château. Hein. On va avoir peur. Hein. Et je vais atteindre Mei Ling KO. Hein. Mine de rien. Ah,
Ah, mais vous avez arrêté de m'embêter de me taper là. Ah, mon Néo. Ah, c'était horrible. Ah, moi j'aurais bien tué Mizu avant de tuer Tao Kern. C'est fait. Ok, bientôt mort, mais il est encore là. Voilà. Et voilà, c'est terminé. キラメク少子、盛況なる兵。天界の道を着実に歩み始めた乱世の勧誘曹操。そんな曹操を祝福するかのように、彼の手に宝玉が落ちる。帝が荒れ果てた都長安から落ち延びてきたのである。曹操は帝を保護し、本拠地巨匠に迎えた。 ここに彼は軍友から頭一つ抜きんでた存在となったのである。 天使を要せど、世に号令せず。 真っ先に都周辺の空き地を民に与えると。 曹操様は、おいらにも青春兵にも畑をくれただ。まあ、きっちり高額の税を取るところが殿らしいっつうか。殿は民の目の前に食い物ぶら下げてケツ叩いてるんでさ。生きるために一人一人が力を尽くすよう作ろうと。それが殿の目指す乱世の先ってか。天よ。 近頃はお前が一番猛徳を分かっているようだな。みんなが自分の手で自分のご飯を作るようになるだか。おい、なら天意も畑を耕さなきゃダメだぞ。俺らが教えるだよ。おお、また今度やね。 おい、さあ、帝も一緒に耕すだよ。バッキャロン、こんなとこでできっか。死の子のやつ一緒に耕せ、ほらほら耕せ。帝を包帯し、天下に号令する力を持った曹操。だが彼の居場所は未だ戦中にあった。河北に強大な力を築きつつある明族炎章。伝国の玉璽を手に入れ、自ら帝を称した炎術。圧倒的な力を持つ二人が 曹操の隙を虎視眈々と狙う。さらに帝という宝玉に群がる狼たちも数知れなかった。そして今曹操は激戦の最中にいる。相手は炎の地に立った長州。戦いは悪雷天意の活躍もあり、曹操軍が優位に進めていた。 La bataille du château de Vannes avec Yan Wei. Le retour du chevalier d'or. Ah,
あんなもさがそばにいて。ええ。これはさすがに無理か。おいおい、わしを見捨てる気か。うーん。おう。ならいっそ降伏しまったらどうです。 そうそう。降伏するなら下手に出てくださいよ。 この度は降伏を受け入れていただき、曹操殿には大変感謝しております。ささやかな宴ですが、護衛の方もどうぞ。 Eh bien voilà, on va mettre pause comme d'habitude. Ou pas. Non, on met pas pause. Donc, vous avez pu vite remarquer dans la cinématique le prince de Perse. Bizarre, hein. Il est juste devant là. Yasu. Il a un style très très oriental. Il fait très Prince of Persia, quoi. Sur ce, donc vous avez vu que nous allons avoir droit au retour du chevalier d'or. Que va-t-il donc se passer? Eh bien, regardez les prochains épisodes et vous le saurez avec grand plaisir. Ou pas, ça dépendra. Je vais pas vous en dire plus, vous allez voir. Sur ce, merci encore une fois. Ça fait toujours plaisir de faire les vidéos. D'être un peu suivi. On sait que l'année prochaine on aura 5000 fans qui vous suivront, bien entendu. Hein, les gens dans l'oreillette. Ouais, on m'a dit oui. On va continuer de le faire pour le plaisir, bien sûr. On attend toujours les commentaires. Bon, il commence un petit peu à émerger, mais toujours un peu plus, ça fait toujours plaisir. On fait toujours un peu plus. On essaie de faire toujours un peu plus pro, hein, c'est logique. Et Diane White vous fait un petit coucou. Coucou. Coucou les mecs, ouais, c'est moi. je suis con moi-même. Voilà. Donc, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous dis à très bientôt et à très vite. Voilà, à très bientôt, c'est à très vite. Donc, ciao tout le monde. Plus, au revoir. Bye bye.